Le Connecticut fait un pas vers l'abandon de la peine de mort. Les sénateurs de cet État du Nord-Est des États-Unis ont voté pour l'arrêt de cette pratique. La Chambre des représentants à majorité démocrate, tout comme le Sénat, doit encore l'approuver avant que le gouverneur ne signe le texte. La mesure vise à remplacer la sentence capitale par la prison à vie, sans possibilité de libération. Elle ne devrait pas bénéficier aux 11 prisonniers actuellement dans le couloir de la mort dans cet État, car elle ne concerne que les personnes condamnées après l'adoption de la loi. Depuis 5 ans, 4 États ont mis fin à la peine de mort, mais une majorité, 34 d'entre eux, la pratiquent toujours. D'après Amnesty International, les États-Unis ont procédé l'an dernier à 43 exécutions.